L'histoire émouvante de Omar ibn al-Khattab est une pauvre femme. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, fut un proche compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le second calife de l'islam à la mort d'Abu Bakr, radiallahu anhu, appelé commandeur des croyants. Ses mérites sont multiples. Il était doté d'une humilité et d'un comportement hors norme. Parmi ses nombreux bienfaits en tant que calife, figure cette merveilleuse histoire narrée par Eslem, l'esclave affranchi de Omar. Une nuit, je me rendis avec Omar à Arrat Waqim. Lorsque nous arrivâmes à Sirar, un puits se situant à 3 lieues de la ville de Médine, nous aperçûmes un feu au loin. Omar dit, « Eslem, il s'agit sûrement de voyageurs qui ont été surpris par la nuit. Allons voir ce qu'il en est. » Nous nous dirigeâmes vers eux et arrivés à leur hauteur, nous vîmes qu'il s'agissait d'une femme et de ses enfants. Elle faisait bouillir de l'eau dans une marmite posée sur le feu, tandis que ses enfants ne cessaient de pleurer. Omar dit, « Que la paix soit sur vous, vous qui avez allumé la nuit par le feu. » « Et sur toi la paix, » lui répondit-elle. « Puis-je m'approcher ?» dit Omar. « C'est comme bon te semble, » dit la femme. Il s'approcha et demanda, « Que vous arrive-t-il »« Nous avons été surpris par la nuit et le froid, » dit-elle. « Qu'ont tes enfants à pleurer ainsi ?» demanda Omar. « Ils sont tiraillés par la faim, » répondit-elle. « Qu'es-tu en train de cuire ?» dit Omar. « Ce n'est que de l'eau qui bout. Je leur fais croire que je prépare le souper, en espérant qu'ils s'endorment. Je me plains à Allah de l'état dans lequel Omar nous laisse. » Omar se mit à pleurer. Au pas de course, il se rendit dans les réserves, où le blé était stocké, en retira un sac et prépara une outre pleine de gras. Il dit ensuite, « Eslem, aide-moi à porter ces 2 sacs sur mon dos. » Je lui répondis, « Laisse-moi les porter à ta place. » Il me dit alors, « Est-ce toi qui porteras mes péchés le jour de la résurrection ?» Il charge les 2 sacs sur son dos et nous nous rendîmes de nouveau auprès de la femme. Arrivé devant elle, Omar posa les sacs au sol. Il prit une certaine quantité de blé qu'il versa dans la marmite, puis ajouta des morceaux de gras. Il se mit ensuite à souffler sur les braises de la marmite, et l'on pouvait voir la fumée émaner de sa barbe un long moment. Par la suite, il retira la marmite du feu et demanda à la femme, « Donne-moi un bol. » Elle lui en remit un, qu'il remplit de la soupe de blé qu'il venait de préparer et le posa devant les enfants, à qui il intima l'ordre de manger. Ils mangèrent donc jusqu'à satiété. Et dans le même temps, la femme ne cessa de formuler des invocations en faveur de Omar sans savoir qui il était. Omar resta à leur côté jusqu'à ce que les enfants s'endorment. Il leur laissa une certaine somme d'argent et quitta les lieux. Il se retourna ensuite vers moi et me dit, « Eslem, c'est la faim qui les empêchait de dormir et les faisait pleurer. » Rapporté par Ahmed. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ceux qui vous ont précédé des fils d'Israël, il y eut des hommes qui n'étaient pas des prophètes, mais auxquels Allah a adressé la parole. S'il devait y en avoir un dans ma communauté, ce serait Omar. Rapporté par Al-Bukhari. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.